Servis par des mensonges, des justifications honteuses qui ne peuvent pas en rester là. C'est pourquoi nous prendrons d'autres mesures, plus législatives, celles-là, et administratives, pour essayer de casser ces décisions ineptes, stupides, amorales, sur le fond. Il est dit, il est redit, il est répépillé que les professeurs titulaires de l'école de musique, c'est-à-dire la moitié de l'effectif qu'on n'a pas pu mettre à la porte, puisqu'il était plus facile de mettre fin au contrat à durée déterminée de tous les autres, pour les 6 titulaires que nous sommes encore, les survivants, il est dit dans la presse depuis plus de 3 mois, il est asséné, que nous avons été destinataires de propositions. C'est faux! Il n'y a jamais eu aucun dialogue venant du syndicat mixte et de sa présidence avec les professeurs. Tout cela est mensonge au détriment de nos jeunes élèves, voire les moins jeunes.